Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Passepain et on est parti pour la continuité du Let's Play Rayman 2, Rayman Revolution. Donc c'est parti. Donc nous allons combattre cette fois-ci contre le machiavélique, le méchant pas beau, magicien vaudou. Alors qu'il y avait un gros spoil dans l'une des démos au début quand on est à l'écran titre. Heureusement, vous avez pas vu. Ça montrait un des derniers niveaux du jeu. La grotte des mauvais rêves est le repère d'un monstre innommable. Son entrée est cachée dans les marais de l'éveil. Voilà, donc on va dans les marais de l'éveil. Le gros problème, c'est que mon sens de l'orientation, mais il est pas terrible. Alors, où est le marécage de Zeus? Ça veut complètement rien dire. Donc là, je sais plus du tout, est-ce qu'on avait fait une amélioration il y a pas longtemps? 232 lums. Je pense pas qu'il me reste 232 en vrai. Ça doit être les lumes que j'ai récolté en tout. Bon, on s'en fout, on y va. On va au marécage maléfique. Je commence à m'y retrouver dans ce monde de Rayman Revolution. Non, c'est pas ici. Je dis ça et je vais au mauvais endroit. Oh purée, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est nouveau, ça. Un ennemi qui a popé. Bah, au moins, il nous a dit que c'est par là. C'est un robot pirate. Faut faire gaffe. Ok. Ok. Je vise très bien. Bah. Pourquoi ça ne marche pas? Faut vraiment se jeter dans le vide, quoi. Sauf que moi, je veux pas trop prendre des risques inutiles. J'ai peut-être mis le son un peu trop fort, encore une fois. Petit chargement. Et on va pas sauvegarder parce que c'est trop long. Ça fera un deuxième chargement, sinon. Ça sera un peu relou pour vous. Et pour moi. Surtout pour moi. Ah mince. Donc j'aille sur le gros nénuphar et sur ce cordage. Ah, pour pouvoir retrouver machin chouette, le serpent là, machin chouette, là. Je sais plus comment il s'appelle. On retient pas beaucoup les noms. Hein. Je pense que c'est la seule fois qu'on le voit, le serpent, en tout cas dans les versions Rayman 2 The Great Escape. Révolution, j'en sais rien. Purée. Impossible. Je fail déjà. Ça commence déjà, c'est n'importe quoi. Ah là, comme Firefly qui dirigeait les Écossais là dans Medieval 2, je sais plus quoi là, Rome Total War. Il avait fail contre les Anglais. Voilà, parce que j'ai l'impression que Firefly est de retour. Hein. Bon, pour faire des vidéos sans commentaires. Et c'est déjà ça. Hein. Petit lumse jaune, purée, mais je l'ai pas eu. J'ai pas eu le lumse jaune. Après, les vidéos de Run Total War, c'est les vidéos les plus populaires de la chaîne. Même si on en a pas fait tellement. Enfin, c'est que Firefly de son côté, moi j'en ai fait qu'une. Et c'était une vidéo découverte. Donc j'étais un peu un noob. Je suis toujours d'ailleurs. Allez, on saute.
Ah purée. C'est vrai, c'est des fois il lâche prise. Let's go. Attention bombe. Attention à tout. Attention. Comment ça s'appelle déjà les poissons avec les lanternes? Ah, je sais même plus. On voit ça dans Nemo aussi. Non, je crois. Ok. Ok. Il y a son cousin à côté, hein. Vous avez vu, il y a son cousin. Non, mais d'accord. C'était le petit doublon. Ah oui, comme le... Est-ce qu'il est toujours par là? Ah mais il est toujours là. Le doublon sorcier. Ah c'est son clone. Son clone pacifique. Non, on va voir le grand méchant par contre. Machiavélique. Je lis dans ton esprit que tu connais le nom de ce lieu. Apprête-toi à entrer dans la grotte des mauvais rêves. Avant de te laisser passer, je dois te prévenir. J'ai caché à l'intérieur un trésor très précieux. Tu pourras le prendre si tu es plus rapide que moi. Je vais te laisser un peu d'avance, mais ne traîne pas. Si je t'attrape, je serai sans pitié. J'aurais vu c'est Donald qui double le sorcier maléfique. Je préférais les petits bruitages avant, qui étaient assez graves. Sur DS, c'était mieux. Au moins, il en imposait, alors que là, c'est Donald. C'est Donald, tout à fait. Ah, ce qui est bizarre, c'est qu'on glisse pas dès le départ. Normalement, on a un niveau où on glisse. C'était après. Je m'en souviens plus trop. En tout cas, niveau couleur, dis donc que c'est pas du tout la même chose que sur DS. Là, c'est des couleurs un peu bleutées, un peu froides, couleurs froides, violet quoi. Alors que... Et c'est bien plus coloré d'ailleurs. Alors que sur DS, c'est que du vert, je pense. Je me souviens bien. C'est plus verdâtre. Bon, en même temps, la DS, elle ne doit pas avoir un filtre de couleur. Incroyable. J'en sais rien. Toujours moins bien qu'une PS2, bien sûr. Ouais. Faire gaffe à ce truc. Je me souviens qu'il y avait ça sur DS aussi. Ah, mais je me suis planté maladroitement et connement. Allez, barre-toi. Je me souviens plus du tout du thème musical de ce lieu. Si magique. Avec les ossements, ça fait franchement penser au niveau de la lave avec dans Rayman 3 plus tard. Ok. Die and retry. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de sauver des lums, déverrouiller des cages, parce qu'il y en a zéro, tant mieux. Donc en fait là faut se grouiller, parce que en fait la plateforme descend. Ça on pouvait pas le savoir dès le départ, je ne m'en suis pas souvenu. C'est aussi un niveau vraiment bien foutu, ce niveau dans la grotte. Là, j'ai failli me faire attraper. Ça
Ça rappelle les bons vieux souvenirs sur la petite DS. Bon. Même si là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal retouché l'environnement. Surtout au niveau des couleurs. Ok, il y a des ennemis en bas. Il y a des mobs. Ah ouais, c'est les mobs... En fait, c'est le sorcier maléfique. Mais c'est ses clones. Sauf qu'ils ont... Ils ont pas de chapeau, c'est... C'est ça la différence. Quelle révélation! Je vais me les faire. Crache les boules de feu, faut faire gaffe. Ils ont l'air un peu lent. Je sais pas s'ils pop à l'infini. Mais j'ai l'impression qu'ils pop à l'infini. On va se barrer d'ici. Mais faut aller où? Ah, elle est là, la bouboule. Ah bah c'est peut-être parce que j'ai battu tous les ennemis en fait. Donc finalement il popait pas à l'infini. Ah, checkpoint. Ah, je me souviens de ces serpentins. Ah, je sais pas, j'appelais ça comme ça. Très mal fait, ils sont en 2D. Si vous avez pas remarqué. Des boules en 2D. Alors, il y a plusieurs passages. On va prendre celui-là. Ah oui, je crois que les deux passages, c'était un passage pour la boule bleue et un passage pour l'autre boule. La orange. Bon, je vais pas prendre tous les lumes rouges, on va les garder. Si jamais il nous arrive un malheur. Et il faut savoir que les lumes rouges, il faut pas les effrayer, surtout pas. Sinon on a un deuxième ennemi dans ce Rayman 2. Un deuxième grand méchant qui va naître. Et le jeu va se transformer en Rayman 3. Tout simplement. Bon, allez, vite, on va prendre ça parce que le trou noir ne dit rien qui vaille. Là. Toujours le fameux hélico. Et... Je ne sais plus, faut lancer là-bas, faut lancer ici. On se perd un peu. Bon, j'aurais peut-être dû acheter l'amélioration pour courir plus vite en portant un objet. Parce que ça aurait été plus simple. Ah, ces machins, ils risquent de me toucher. Ah bah c'est bon. J'ai réussi. On va se les faire. Les serpentins. Bon, je crois qu'ils pop à l'infini en fait. Dès que j'en tue un, il y en a un autre qui repop. Je fais demi-tour parce que je me suis un peu paumé. C'est bon. Purée. Pour l'instant, je me débrouille bien. On a pas trop fait de fail. Ok. Ah, si, si. Mince. Mais on sent que là, les développeurs, ils avaient un peu plus d'idées. Level design. Le level design. C'est tough un peu. Bon, même si des plateformes mouvantes, c'est assez classique. Ah oui, il va falloir bien balancer le truc. D'accord, c'est tombé.
Le petit fail. On va le reprendre. Caméra qui part n'importe où. C'est pas tombé. Quelle chance, au pixel près. Bien sûr, ils ont fait des draperies en 2D, hein. C'est magnifique. Des draperies à moitié des colonnes, mais en 2D, ça fait chelou. C'est un peu mieux fait dans Star Fox Adventures. Rendez-vous compte que Star Fox Adventure il est sorti combien de temps après le jeu, bon on va dire après la première version, la version PC qui n'a pas eu énormément d'évolution par rapport à la version de PS2 là. Enfin, la version PS2 n'est pas largement plus belle, on va dire on fait quelques efforts mais bon c'est pas incroyable. Ah oui, c'est là qu'on va avoir la phase de course poursuite. Je pense. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que Star Fox Adventures est sorti... Non, j'allais dire une connerie, non, il est sorti quand même 4 ans après. Et vous voyez, en seulement 4 ans, il y a eu une grosse évolution. C'est pas rien. Il va me manger tout cru! Ah, et là, ce qui est mieux fait par rapport à la version DS, c'est que ses dents ne sont pas en 2D. C'est une évolution. Non, parce que c'était un JPEG sur DS, je crois. C'est un vieux JPEG. Les dents. Alors, faut faire gaffe parce que c'est un peu chaud, voilà. C'est le cas de le lire, avec ses dents qui prennent presque toute la place de l'écran. Heureusement que j'ai un écran plat. Ça aurait été pire avec une télé cathodique. Attention. Oh non, je me fais bouffer. Par contre, faut pas que je perde toute ma vie. Hein. Parce que je sais pas si... où ils vont nous mettre après. Ah purée. Ok. J'étais un peu vivant en fait par la suite. Hein. J'étais touché par ces crocs mais j'étais encore vivant. C'est très logique. Ah, il doit être dur à speedrunner ce passage. D'ailleurs, petite pub à la chaîne Oliver Plasma. Speedrun, il va y avoir des speedruns. Ah, purée. Ah, où je ferais déjà des niveaux de Donkey Kong là. Donkey Kong Country, Tropical Freeze, quelques petits niveaux en speedrun. J'essaierai de pas trop larguer par rapport au record du monde. J'essaierai. Ah purée. Bon, au moins d'avoir la médaille d'or. Purée, mais j'ai fait n'importe quoi. Je crois que c'est avec une skill comme ça que qu'on va réussir. Hein. Surtout pour faire des bons temps à Donkey Kong. Purée. On va faire un petit saut, un grand saut. Saut avec amplitude, attention. Freestyle, non. Oh, je suis pas mort. C'est un miracle. Un miracle de la nature. Ce fut une magnifique victoire avec Rayman qui est animé en deux frames. Ah, et notre pote qui est là. Ah, il est énorme par rapport aux ennemis crapauds.
Ah, je me souviens, faut tapoter sur ces crânes pour les arrêter. Bon, pas bien difficile, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut le taper dessus, purée, mais c'est quoi cette caméra? Ok. Et maintenant il va nous balancer les boules de feu en même temps. Si j'en dis. Faut être patient. Balance-moi toute ta magie vaudou. À la Kazam, Kashikana. L'incantation du crapaud. On va pas dire que c'est bien difficile d'esquiver des JPEG. Hein. Ah purée, mais non. Qu'est-ce que j'ai fait? Faut attendre. La musique stressante, attention. C'est pour nous dire, là on est face à un gros boss. Un gros boss qui fait toujours la même attaque. Ok, donc là il va nous balancer ses trucs en attendant que nous le fonce avec les anneaux. Attention, peut-être que la plateforme tombe, hein, je sais pas. Oui. Ah, il se met beaucoup plus loin là. Ça va être plus difficile. C'est un jeu pour hardcore gamer, hein, attention. Fury. Ah non, fail. Ah, j'ai cru que le truc il allait tomber puisque il a touché l'autre, mais non. J'ai eu de la chance. Bon bah, tout se passe bien. En plus, il nous donne un peu trop de lune, ce rouge. Hein, mais bon. C'est pas grave. Bon, là c'est bon, hein, je peux sauter direct. Hein. Je suis un fou. Je fais un cut. Attention. Le cut du siècle. Même si ça en est pas trop. Hein. Purée. Fail. Fail au rapport. Fail. Tel est le nom qui m'a été donné. Car je suis un fail. Référence bien sûr à Zelda, purée. Skyward Sword. Une vidéo que vous n'avez pas encore vue, qui date d'un an, que j'ai pas encore mise en ligne. En plus, j'avais fait l'effort de faire une voix spécifique à ce personnage. À l'aide d'un logiciel, bien sûr. Purée, qu'est-ce que. Il fait son freestyle. Et là, purée, un choix très difficile. Prendre le trésor ou refuser le trésor? Eh bien, pour le fun, on va faire prendre le trésor. Vous allez voir ce qui se passe. Moi, je sais. Mais il n'y aura pas de suite pour Rayman 3. Vu que Rayman est content d'être riche, c'est impossible qu'il y aura une suite de Rayman 3. Hein. Une suite de Rayman 2.
Voilà, c'était la petite blagounette. La petite blagounette d'Ubisoft. Ouais, ils nous redemandent, bien sûr, on va faire refuser, hein, parce qu'on est des braves gens, en vrai. On est loyal, solitaire, courageux, audacieux. Surtout devant ces temps de chargement, on ne recule devant rien. Oula, des pixels. Rayman qui pète un câble. Que se passe-t-il? Tu n'es pas tombé dans le piège. Tu as mérité ceci. Hein? Ceci, c'est l'élixir de vie. Garde-le précieusement. Merci. Et voilà, nous avons trouvé l'élixir de vie. Qui va nous permettre de sauver Clark. Ah, je m'en suis souvenu de son nom, incroyable. Ouais. C'est ici. C'est tellement sombre que je suis allé à droite trop avant. Trop avant. Accès refusé. Oui, c'est sûr, on est courageux, hein, on est. T'attends tous ces temps de chargement. Il n'y a plus de masque ici, par contre, il refuse de. Il reste des lumes à ramasser. Mais je m'en fiche. Car. Je suis. Égoïste. Je vous l'avais pas dit. Bon, alors, on va sauver notre pote Clark. Qui est, je pense, plutôt. On va aller de. Par un raccourci. Quoi, on peut pas y aller? C'est quoi cette blague? Il y a plus le vortex là? Je comprends pas. Et si je fais select? Ah non, c'est la maison de Globox ici. Et c'est ici. J'imagine pas la gueule de la maison de Globox. Hein. Ça peut faire peur. Avec 600 gamins à élever, c'est quand même quelque chose. Va dans les collines au menhir pour donner. Et bah je sais qu'il faut donner l'élixir à Clark, hein. Merci. Je pense que vous l'avez aussi deviné. Hein. Voilà, les collines au menhir. Ah, les collines d'Obélix. De chargement à foison. C'est parti, on va dompter comment ils appelaient ça déjà, cette fusée sur pattes, quoi. Cet obus sur pattes. Et y a rien derrière. Y a nada. Y'a que dalle. De toute façon, on avait tout fait ici. Hein. Voyez. On va skipper. Comme des vrais gamers. Voilà. Alors là, c'est un speedrun magnifique. Hein. Ah, pas besoin d'attaquer nos ennemis. Hein. J'ai fait un take damage. Tout simplement. Non. Et voilà le beau gosse obus sur pattes. Ah non, quoique. Je pense pas qu'on était monté là-haut. Je sais même plus. Quoique, peut-être que si. Si, je pense. Ça me rappelle de vagues souvenirs et si. Bon, il va à 2 à l'heure. Ça va être chaud là. On tourne en délicatesse.
Et c'est parti. Oh mais c'est Freestyle Land. Maintenant on va aller à gauche puisqu'on n'était pas allé à gauche. Ok. Bon, il y avait juste des lumières rouges. Bon, je vais pas accélérer, hein, sinon je vais exploser. Voilà, ça fut une victoire du premier coup. Mais quel talent! C'est parce qu'on l'avait fait auparavant aussi. Bien sûr, ça aide beaucoup. Et faut taper là-dedans, si j'arrive à bien voir. Et voilà, on va revoir notre pote, Clark. Tiens, Clark, voici l'élixir. Merci, petit gars. Ouais. Je vais pouvoir écraser plein d'autres pirates. Ouais, d'accord, mais repose-moi d'abord. Je vous laisse juste un peu écouter cette musique. Voilà, petite musique sympatoche, hein. Le thème principal de Clark, le beau gosse, qui a une petite ressemblance de par rapport à Firefly, hein. C'est vrai que il a un peu une bouche en forme de poire, hein. Alors, je crois qu'il va foncer dans le mur, hein, c'est un script. Magnifique effet de lumière. Un peu de lens flare, attention. Donc qu'est-ce qui se passe après? Mais je crois qu'après on va rencontrer Globox. Ouais, mon perso préféré de cette licence. Attention. C'est pas rien. J'arrive pas à viser. Qu'est-ce qu'il y a à droite? On peut pas remonter. Mais qu'est-ce que... C'est quoi cette blague? Non, attends, je voudrais descendre. Voilà. Je voudrais descendre parce qu'il y avait plusieurs passages et... Je me dis, c'est peut-être le passage principal celui-là. Je préfère passer partout. Purée. Je me disais bien. On va récupérer le lumps jaune restant. Je pense qu'on est bon pour chevaucher un obus encore une fois. Un obus sur patte. Ah purée. D'accord, un obus sur patte qui pop d'un coup. C'est parti. Freestyle Land. Purée. Là, j'avance à 2 à l'heure. Attention, le menhir qui tombe. Oh purée, j'ai loupé un lumps. J'ai envie de me suicider. Là, c'est ce que je faisais sur DS, hein. Je me suicidais. Oh non, j'ai oublié un lumps comme un con. Donc je me suicidais pour le récupérer. Il a peur de rien.
Ah purée. Que 4 sur 8 pour les cages. Voyez donc. Enfin, quelquefois, on retourne dans les mêmes niveaux, hein, donc peut-être... Quand on va y retourner, je sais pas. Dans une version révolution, qui est une véritable révolution. Rejoins-le grâce à l'obus qui garde l'entrée des collines au menhir. Faut encore revenir à ce niveau. Non, je comprends pas trop. Il y a un autre pote qui arrive. Ah, peut-être que... C'est quoi cette porte là? Quelle est cette porte étrange? Un temps de chargement? Comment est-ce possible? J'en ai jamais vu auparavant. Non. Colline au menhir. Ah, ça doit être lui. Ça doit être celui-là, en fait. En fait, je crois que je l'ai trouvé par chance. Hein. Ok, oui, mais faut aller où? On va à droite, hein. On suit pas la flèche. Hein. Purée. C'est remarqué qu'il vole à moitié. Hein. Il court dans les airs, hein, le petit obus. Alors, en même temps, il a une puissance phénoménale. Ah. Eh mais purée, j'ai trop eu de la chance en fait. Trop eu de la chance de retourner en arrière en voyant... Oh bah tiens, un petit bâtiment. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ah et voilà, oui. Ça va être un niveau où il va y avoir une araignée qui va nous poursuivre au début. Pour ceux qui ont la phobie des araignées, hein, je vous conseille de couper la vidéo et de la reprendre dans 2 minutes. Hein. Parce qu'il y en a une qui va tomber. Attention! Mon dieu, c'est horrible! Allez, sprint de Rayman là. Va-t-il être plus rapide qu'une araignée? Sur une toile? Ça me semble un peu improbable. Mais si, il l'a fait, c'est un beau gosse. L'araignée est complètement perdue. On va un peu tirer sur la cage là. Enfin, je suis obligé de redescendre. J'en ai eu 2 d'un coup. Hein. Parfait pour un speedrun. Voilà, l'araignée, elle me risque de me retomber sur la gueule. Ah non, même pas. Ah purée. Ce fail magique. L'araignée était paumée en haut en fait. Elle va un peu à 2 à l'heure. Normalement de base elle va un peu plus vite que nous, mais je sais pas. Ah, on peut la tuer. Je savais même plus. Faut la tuer. Purée. Ah, si je tombe à chaque fois, ça va pas trop le faire. Purée, elle vient. La saloperie! Je déteste ces choses! Ah, cette horreur! Avec plein d'œil! Je bourrine un peu. Voilà, on va se concentrer. Petit saut. C'est bon. Purée, elle est plus rapide qu'avant. Oh purée. Ce fail. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça en fait.
Ah purée, mais elle est en train de me défoncer. Je vais mûrir. Mourir. Purée. Je suis déjà presque mort. En train de se battre contre une araignée quand même. Je sais pas comment il a pu descendre aussi bas, Rayman. Vite. Purée. Elle est trop rapide. C'est le fight épique contre une araignée. Des égouts. Les araignées adorent les eaux usées. Bon bah elle a un peu trop de vie, hein, c'est un sac à HP. Bon, on va plutôt s'enfuir. Parce que bon, c'est un peu longuet. Ouais. En même temps, j'ai envie de prendre tous les lums. Alors, on s'est rattrapé. L'araignée fait du freestyle. Okay, j'ai encore failli tomber. Vite! Deux fois. Normalement faut pas jouer comme ça, mais c'est pas grave. Je veux prendre tous les lums, hein. Je suis un psychopathe des lums. Le problème c'est que si je crève là, et ben bah, on devra se taper tous les lums, hein. Se retaper tous les lums à récupérer, je pense. Attends, vous avez vu ce talent. C'est un combat vraiment pas répétitif. Hein. C'est tellement imprévisible, on sait jamais ce qui va se passer. Et prends ça, saloperie de Spider. Les Spider-Man de Silent Hill sont de retour. Hein. Bon, elle est presque morte. Et voilà. Je crois qu'il y en a une qui va repopper derrière, donc faut un peu se grouiller. Enfin, peut-être. Hein. Je crois. Faut être un peu sur ses gardes. Un lums. Ah non, c'est pas un lums. C'est juste ça, en fait. Oui, j'aurais jamais galéré si j'avais pas récupéré tous les lums. Vous voyez, c'est carrément un autre jeu, quoi, quand tu récupères tous les lums. C'est plus le même challenge. Et c'est là qu'il va y avoir le beau gosse. Globox. Ouais, non. Ah, il est toujours pas là. Je me souviens de celui qui était assez joli. Avec les champignons. Purée, non. Je vais mourir comme une bouse. Je savais pas qu'il y avait un ennemi qui allait popper d'un coup là. Faut qu'il die. Ouais, c'est bon. On va prendre le petit lums avant qu'il disparaisse. Parce que maintenant, les vies, c'est précieux. Ah, mon précieux lums rouge. Et purée, je fail. Et je suis mort. D'accord. Essaye encore. Mais bien sûr. J'essaierai jusqu'au bout du monde. S'il le faut.
par la barbichette tranchante de barbe tranchante. Enfin, c'est un peu pourri comme expression. Allez les jaunes! Non, je... C'est quoi ça? Quoi, t'es supporter du FCN? J'aurais dû te laisser enfermer. Bon allez. On va prendre ce petit lume, ce jaune. Voilà. Et Globox nous a fait un très grand saut. Hein. Ou alors, il y a peut-être son double là-haut aussi. On va voir pour le fun. Je veux engendrer tous les mauvais codes du jeu, voilà. Alors c'est bon. C'est bon, il n'y a pas son double, c'est bien. Ah, parce que moi, j'ai peur avec les doubles. Hein. C'est arrivé deux fois, avec une fois avec le serpent, et il y avait son cousin à côté. Et une autre fois avec le grand méchant machiavélique sorcier qui ressemble à rien. Qui ressemble à un crapaud. Un crapaud sans jambes. Enfin sans cuisses. Et sans bras. Sans rien du tout. Sauf la tête. Et ses yeux de chat. Alors je crois que c'est Globox qui va nous aider avec ces trucs là. Il va faire la danse de la pluie. C'est assez comique. Il danse tellement mal qu'il voilà, il attire la pluie. Et... D'accord. Gros plan sur Globox. Oui, quand même, la modélisation de Globox, ça en jette, hein. Bon, ok, calme-toi, Globox. Hein. Bon. Je crois que je vais me barrer. Il vaut mieux pour mon éthique personnelle. Voilà, je comprends pas grand-chose, faut peut-être rester là-dessus. Ah bah, comme par magie. Attention, il y a peut-être un ennemi qui va popper, hein. On sait jamais. Ok, je peux avancer. Ah, là, il faut Globox pour écarter ces JPEG en 2D. Ouais. Je sais pas comment il va venir. Ah, bien sûr. Petite énigme. Mais rien ne m'arrête, moi le grand Oliver Plasma. Oula, j'ai un peu peur pour lui, hein. Surtout qu'il touche pas le bâton en vrai. Il touche pas la branche, je veux dire. Qu'est-ce que je raconte? Il touche pas l'arbre. C'est son bide en fait qui touche l'arbre. C'est grâce à son bide qu'il avance dessus. Ses deux pattes sont à côté. Allez, Globox, toi de jouer. T'es pendante ou pas, là? Allez. Frémi. Ah si, c'est bon, il fait sa danse. J'ai jamais même pas remarqué. Il est tellement imprévisible. Tellement... Ah, purée, impossible à remarquer. Ah, là, il a peur. Ah, c'est ça qui est épique. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? Mais non, Globox, pas peur. Mais il n'y a pas de honte à avoir peur, tu sais. Les vaisseaux et les pirates sont vraiment dangereux. Ah, si seulement j'avais plus de pouvoir. Pouvoir? Globox, oubliez ça. Un loups d'argent. Donner looms pour rendre ton poing plus fort.
Je pense que c'est le point qu'on pourra charger là. L'attaque avec le point qu'on peut charger. J'espère. Ou alors ils ont changé peut-être. Hein. Peut-être que là c'est. C'est peut-être un finisher. Contre un pirate de l'espace. Un pirate robotique. Ça c'est énorme. Globox qui se barre à chaque fois. Ça change pas dans le 3. Hein. Surtout là-dessus que j'adore ce perso en fait. Si imprévisible. Si funny. Bon, j'ai l'impression qu'on peut pas charger nos points, c'est juste que bah, nos points sont jaunes, donc je pense qu'ils sont plus puissants. Et même c'est pas je pense, je suis sûr, parce que je les one shot. Alors qu'avant, bah, je devais les toucher en deux coups. Allez, prends ça, le bateau pirate. Ok. Passe carrément de travers. En fait, je sais pas trop comment l'avoir, le bateau pirate là. Ah, je l'ai eu. C'est quoi cette blague? Ah, faut peut-être l'avoir derrière. Purée. On voit une flèche et tout ici. C'est un peu con. Ouais, c'est ça. On peut toucher qu'une fois par tour. On va se les faire vite fait, bien fait. Ce petit méca robot là, méca pirate. Fais vite. Encore fait toucher. Lequel mourra en premier? Moi ou le bateau? A vous de choisir. Purée. À quoi? Je le one-shot pas lui? Je croyais que cette poids était plus puissant. C'est une arnaque. Globox m'a arnaqué. Ah, je savais qu'il était plus pour le FCN que moi. Ça se sentait avec son enthousiasme là. Il était heureux de me voir, mais ah, il ressemblait trop à un supporter de FCN. C'est la façon dont il disait allez Rayman. Ça sentait que là. Non, j'arrête de dire des conneries. Purée. Bon, je me fais un peu défoncer. Mais c'est pas grave. Et voilà. Le bateau est entièrement détruit. Sa skin géante n'est plus qu'un tas de cendres. Ok. C'est des rayons rouges qui me trollent. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller là-bas. Fasse sa danse de la pluie là ou emmener, faut appeler Globox hein, je sais pas. Ah, il est tout joyeux. digne d'un supporter de foot. C'est tout à fait ça. Thank you.
Et bien sûr, ces délires, ça vient de Rayman Legend, hein, parce que Rayman Legend, on peut jouer au foot. Et Globox, on peut dire que il a un bon coup de talon. Hein. Attention, hein, ouais, c'est pas une rigolade au foot. Hein. Il se démerde franchement bien. C'est un bon goal volant. Ouais. Par contre, je trouve pas ce qu'il faut faire. Je suis un peu paumé. Que faut-il faire? Peut-être que je saute dans tous les sens. Peut-être que. Appeler la magie vaudou de Globox, je me suis viandé. Ok, il sort de sa cachette. C'est énorme. What? Ah purée. Je pouvais pas passer avant, c'est quoi cette blague? J'ai rien compris. Ah, il y a des ennemis partout là. Ah purée. Bon, on sent que mes points sont plus puissants quand même. Je vais pouvoir voir la cage. Là, je me souviens, là, c'est une petite phase d'infiltration à la Metal Gear Solid. Hein. Attention. D'abord, on va aller là-haut, voir ce qu'il y a. Les lumières se jaunent de partout. Oh purée, j'ai 50 sur 50 pour une fois. Pour une fois que j'ai ramassé tous les lumières se jaunes. On fait comment pour le prendre? Alors, faut peut-être d'abord... Donc ça se ferme quand voilà ce rayon rouge nous voit. Et bien sûr on peut rien y faire, hein, regardez. Ah, ça vient direct sur nous comme ça, comme par hasard. C'est une caméra supersonique. Ah mais comment je prends ça? Ok. What is it? Ah non, il y a un nuage au-dessus, c'est-à-dire qu'il faut attirer Globox. Je sais pas où il s'est barré. Vu qu'il y avait trois ennemis qui ont popé sur moi, je pense qu'il s'est barré. Trois ennemis, c'est trop pour lui. Hein. Déjà qu'un seul, c'est bon là. Il fera presque une crise cardiaque là. Avec un seul ennemi, donc trois ennemis là. Il est au bord du suicide. Oui. J'ai l'impression qu'il danse tout le temps en fait. Danse de Globox. Et voilà, on peut se cacher. Et là, vous allez voir, c'est assez comique. Ça me fait penser à Metal Gear Solid avec... Hein? Une boîte? Qu'est-ce que c'est? Une boîte? J'ai sauté sans faire exprès après. Hein. Ah, pris en flagrant délit. Il y a une cage. Je peux pas venir avec toi. Ma belle Huguette m'a dit d'aller la voir. Ma belle Huguette m'a dit d'aller la voir. Mais comment il est rentré lui? Comment c'est illogique? Bah, salut Globox. Je peux pas venir avec toi. Ma belle Huguette m'a
Parce que Huguette t'a téléphoné. Ah, je savais, t'allais t'y mettre. Hein. Toi aussi. Au iPhone 6. Bon. Bah, je pense que ça va être la fin de cette partie qui a duré pas mal de temps. Quand même, on est déjà à une heure. Une heure de vidéo. Voilà, je suis à moitié mort, mais c'est pas grave. Tout est normal. Ne vous préoccupez pas de moi, les petits êtres. Rayman, les pirates viennent de capturer Carmen la baleine. Cours vite à la baie des baleines pour la délivrer. Tu peux y accéder à partir du jardin des Globox. Carmen la baleine ? Ah, ça me dit quelque chose. Parce qu'on va voir Huguette et Globox, je crois. Un niveau où on va voir Huguette et Globox, un truc du genre. Si je me souviens bien. Alors on va sauvegarder. Et donc voilà, ce fut la fin de cette partie contre le machiavélique méchant pas beau sorcier. Qui était assez simple à battre. On a cédé à la tentation hein, devant son or, son immense fortune. Enfin si, la première fois, mais voilà, c'était juste que pensait dans la tête, ce que pensait dans sa tête Rayman. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures, pour la continuité de ce let's play épique.